Mathias Magnin, je suis membre de la commission paranatation adaptée au sein de la Fédération française du sport adapté et en charge de la formation. On a contacté le rectorat de Poitiers pour mettre en place cette formation d'instructeur auprès des conseillers pédagogiques de circonscription, des conseillers pédagogiques départementaux et quelques profs de PS du secondaire, de manière à ce que ces personnes puissent mettre en place des formations d'encadrants auprès d'enseignants ou de parents volontaires, de manière à mener des actions de classe bleue, afin que les jeunes aient un premier contact avec le milieu aquatique et se sentent plus à l'aise dans l'eau. Ces stages bleus ou ces classes bleues sont organisées sur des temps d'une semaine, avec un entraînement bicotidien dans le milieu aquatique. L'objectif, c'est pas qu'à la fin ils sachent forcément nager, mais qu'ils soient beaucoup plus à l'aise dans l'eau, de manière à accéder plus tard au savoir nager. Jacques Brouleau, conseiller pédagogique départemental et chargé de mission auprès du directeur académique. Après un temps de rencontre en juin dernier avec Mathias Magnin, nous avons pris la décision d'organiser un stage interdegré pour que soient formés aujourd'hui des conseillers pédagogiques de circonscription, départementaux, mais également des professeurs de PS. La formation dispensée aujourd'hui est la première formation nationale qui a été organisée par la Fédération française de sport adapté en France. Donc ça, on en est peu fiers, et je dirais qu'à l'issue de cette semaine, on a fait de nouvelles acquisitions en termes de connaissances qui vont nous permettre, sur du moyen terme, de développer des formations à destination de professeurs des écoles, d'autres professeurs d'EPS, mais également de tous les bénévoles qui seraient susceptibles d'encadrer des élèves, que ce soit à besoin particulier, comme ça a été le cas sur cette semaine, des élèves du lycée-école ou du lycée-collège, mais également d'autres élèves de 4-6 ans, comme le prévoit notamment ce plan des anciens aquatiques. Mon rôle ici, c'est d'intervenir auprès des instructeurs et des formateurs pour la réflexion sur l'apprentissage de l'aisance aquatique. Je suis heureux d'avoir pu participer à cette semaine, puisque en fait elle a été riche en échanges avec aussi bien les personnes qui étaient en formation qu'avec les jeunes que l'on a vu progresser tout au long de cette semaine sans matériel et en grande profondeur. J'ai appris à faire le crawl. J'ai appris à plonger, mais j'ai pas trop arrivé. Après, j'ai touché les bancs de la piscine. Et comment tu te sens maintenant là? Super, excité. Allez, on arrive, on y va. Ça va être diffusé à la télé. Hein.